commun. Et nous saluons nos bien-aimés qui sont sur la radio Light Radio. Et les bientôt prenant bien en vie Light Radio, c'est là au Qatar. Nous sommes à notre première émission auprès de vous. Les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Et nous allons commencer avec cette prédication. Et il y a très comme un marinacia. Qui a pour thème. Il que met pas dans le problème. Je ne porterai pas la charge que Dieu m'a pardonné. Il m'a trop appris. Je ne porterai pas la charge que Dieu ne m'a pas donnée. Tu peux le répéter dans ton corps intérieur comme ça. La tête pleine, on me voit. Ça peut devenir ton slogan. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous disons merci pour cette occasion que tu nous donnes. Nous sommes là pour apporter ta parole. Seigneur, inspire-nous. Assiste-nous. Seigneur, enseigne ton peuple. Et rentre dans le combat pour nous. Au la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Le Christ au bon commun. Alléluia. Amen. Comme je viens de le dire. Le thème que nous débattons, je ne porterai pas la charge que Dieu ne m'a pas donnée. Et quand on parle de charge, des difficultés, des problèmes. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des temps de souffrance et des temps de plaisir. Et tout ce temps-là, Dieu les utilise pour notre bien. Mais il y a des charges. Il y a des douleurs. Il y a des souffrances qui ne font pas partie du plan de Dieu. Dans le plan qu'il a conçu pour ta vie, il y a certaines choses qui ne font pas partie du plan. Qui arrive. C'est de ces choses-là que nous voulons parler. C'est de ces choses-là que nous disons que nous n'allons pas porter la charge que Dieu n'a pas portée. Si nous rentrons dans des difficultés, les difficultés que Dieu permet, c'est pour permettre à ce que nous ayons une certaine maturité. Apprendre les leçons de la vie. C'est pour nous enraciner dans la foi. Et il y a certaines choses qui ne nous apportent absolument rien. Des difficultés, des larmes que nous versons qui ne nous apportent rien. Il faut reculer. Nous allons lire dans Luc chapitre 13. À partir du verset 10. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison au jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Prenez donc vous faire guérir à ces jours-là. Et non pas le jour de sabbat. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham,
Il dit Abraham méditait. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Il dit que Satan en blâme lui et dit son. Ne fallait-il pas la délivrer de cette nuit? Chaîne le jour du sabbat. Maintenant, quand tu dis ton papa, il a signé le sabbat et quelque chose. Tandis qu'il parlait ainsi. Est-ce que l'on nous commandait? Tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne porterai pas la charge que Dieu ne m'a pas donnée. Le passage que nous venons de lire a tout expliqué. Jésus enseignait dans l'une des synagogues. Lorsqu'il enseignait, il a aperçu une femme. Je ne sais pas si la femme était en retard avant de venir. Je suis sûr que la femme n'était pas assise quand Jésus est venu. Parce que Jésus l'a vu couver. Elle est couvée. Elle marchait couvée. Elle est ensemble. Et elle a marché jusqu'à un siège. Elle est ensemble, elle est ensemble, et Jésus s'est approché d'elle. Et Jésus lui a posé la question. Jésus dit, depuis combien de temps tu es comme ça? Elle a dit 18 ans. Elle a dit 18 ans. Ça veut dire que je ne sais pas quel âge la femme avait avant. Je ne sais pas ce coup. Elle a dit 18 ans dans la vie d'une femme. C'est beaucoup. Quand la femme a 18 ans, elle peut se marier. Elle est devenue adulte. Mais la femme dit, je suis infirme depuis 18 ans. Ça veut dire que elle peut avoir plus du double de cet âge-là. Et Jésus a eu compassion d'elle. Jésus l'a vu. Jésus a remarqué. La charge qui pèse sur cette femme. Ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas Dieu qui a autorisé ça. C'est le diable. C'est un démon qui est rentré en elle. Et qui l'a courbé de cette manière. Qui l'a déformé de cette manière. Et elle est restée comme ça pendant 18 ans. Et Jésus lui a dit, Femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de tes chaînes. Tu es déchargé de tes fardeaux. Et quand Jésus a dit ça, la puissance de la parole est rentrée en elle. Et le démon qui la possédait a tout simplement plié ses bagages parce que le grand maître est venu. Il a entendu la voix du grand maître. Il ne pouvait plus rester. Il a pris ses clics et ses claques et il est sorti tout bonnement. Et quand il est sorti, doucement, la femme a commencé par se redresser. Parce que tu traînais là, ne venait pas de Dieu. Qu'est-ce que cette femme faisait? Elle pensait que c'est Dieu qui l'a affligé. Et un jour, Dieu va la délivrer. Mais Jésus lui a fait comprendre que cette souffrance ne vient pas de lui. Ça vient du méchant. Alors le soutien, c'est que la charge
et elle est encore fort, sera enlevée. Alléluia. La charge des démons sera enlevée. Alléluia. J'ai remarqué beaucoup de choses dans la vie de cette femme. Mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que le démon l'a déformée. Et elle a donné un nom. Et tu vas te connaître. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Mais finalement, le démon lui a donné un nom. Donc on va te connaître. La dame auto-coupée. Et tu ne la connais pas. La dame auto-coupée qui vient à l'église. Et tu ne la connais pas. Et tu as donné un nom. Tu ne connais pas l'entrepreneur qui marche toujours à pied, toujours essuyé, avec des sueurs un peu partout. Donc, tu es si entrepreneur en question, on va vous dire que tu as la déla ou le cas. Tu ne connais pas la femme qui porte le panier fleuri là. Au nom de moi, que tu as ta voix là. Avoir des fleurs à vivre à voir là. Ça veut dire que c'est le même panier là que la femme porte. Et comme il va former le cas, au nom de moi, tu ne connais pas la femme là qui est stérile. Donc, tu es si au nom de moi, que tu as tu ne connais pas l'homme là qui marche toujours à pied devant notre maison. Tu ne connais pas l'homme là qui revient souvent de l'étranger et qui est souvent logé chez nous. Et qui n'a pas de maison, qui n'a pas pu construire une maison et qui n'a pas logé chez nous. Le diable t'a donné un nom. Le diable a fait un dépôt. Et il t'a donné maintenant un nom. Mais quel que soit le nom qu'il t'a donné, tu te décharges là, ne tiens pas de Dieu. Tu vas te décharger de cette charge. Dans le nom de Jésus, tu dois décider dans ton cœur que tu dois te débarrasser de cette charge. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle est très naïve. Mais elle ne savait pas que c'est le diable. Mais Jésus lui a dit, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le démon. Vous devez le chasser. Et toi tu seras libre. Jésus m'a pas petit. Parce que tu es en train de traverser. La femme là qui est la jeune fille là qui est célibataire. Que tu dois te débarrasser de cette situation. Des charges que Dieu ne t'a pas donné. Tu dois pousser la charge là. Tu dois baisser la charge là. De toutes tes forces. Avec la puissance d'en haut. Ce que j'ai encore remarqué, c'est que malgré la durée du mal de cette femme, depuis 18 ans, on ne l'a pas trouvé dans la couloir. Mais il faut trouver. Et on ne l'a pas trouvé quelque part en train d'errer. Jésus l'a trouvé dans sa maison. Quelle que soit la durée de ton problème, c'est dans la maison de Dieu que Jésus viendra te rencontrer. Reste là où tu es. Tu es toujours et reste là où tu es. Jésus vient te rencontrer. Si tu es dans la rue, il ne va pas te rencontrer. Si tu te détournes de lui, tu marches le vaudou, tu ne vas jamais rencontrer la délivrance. Depuis 18 ans, la femme pouvait dire, je suis fatigué. Et tu
condamnes. Là, c'est quelle histoire ça? Oh, bien qu'elle. Oh, je suis fatigué. Et tu condamnes l'eau. Depuis là, les gens demandent, je n'ai jamais témoigné. Ah, mais si on me dit dans la scène, là, il y a dit dans la scène. On a fini de donner la prophétie. Oh, non, pour la Yannick. Je fais des sacrifices. Il y a le deux tonnes dans ça. Mais, c'est toujours la même chose. Voyala, je suis fatigué. Et tu condamnes. La femme n'a jamais dit ça. Non, il y avait problème. Elle est toujours là. Elle est. Malgré le nom qu'on lui a donné. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et dans la grâce de Dieu, Jésus l'a rencontré. C'est pour elle que Jésus était là ce jour-là. Elle a tiré Jésus par le bien aimé, je voudrais te dire que Jésus a fait ce passage. Jésus l'a rendu le ce soir, ce midi, ce matin. Jésus a fait ce passage. Jésus a fait ce passage. Pour te rencontrer. Et te décharger de la charge qui ne t'appartient pas. À ma maman est tombée. Les mots la gueule et ma gueule. Tu dois refuser de porter cela. Là, nous avons écouté l'histoire de la prostituée. Est-ce que ce colon a fait en bêtise? Qui a vu son enfant remplacé? Elle compte en italien. Elle s'est fâchée. Et petit. Elle a dit je suis pécheresse. Ah, au nouveau, on a dit. Tu le vois de sel. Monsieur, je vais m'exposer. Je vais tirer au bois. Il n'a pas tranché pour moi. Non, il n'a pas tranché pour moi. Parce que cette charge-là ne m'appartient pas. Cette pleure-là m'appartient à mes seigneurs. Ce n'est pas mon enfant qui est mort. Je ne suis pas d'accord avec cette charge. Mon frère et ma soeur. Hypocrite. Hypocrite. Ça pouvait, non? Et ça, tu dis?
ton âme. On a péri quelque chose. C'est devenu un problème de justice. C'est devenu un problème. On a guéri quelqu'un. Tu n'as pas loué Dieu. Et tu viens porter la chute. Je dis c'est le tabac. Ça va mon pied. Ça va mon pied. Ça va t'arriver. Je ne sais pas si on est plus chute. Je ne sais pas si on a arrêté. Voilà le fruit.
Seigneur. Mais le pasteur ne connaissait pas la vie. Pour pasteur, une décision de diatron. Il ne l'a jamais rencontré. Mais toi, est content. Et ça là. Ça lui a coûté son ministère. Elle n'avait pas de chassé de son ministère. Et il est parti, la femme l'a quitté à cause de ça. Et il a erré ça et là. Il a élevé l'enfant jusqu'à 8 ans. C'est après 8 ans que la fille a fait le cancer. Et elle était mourante. Et elle a envoyé le chercher. C'est à ce moment qu'elle a confessé. Et elle a ramassé une grossesse quelque part, elle ne sait pas à qui le donner. De pardonner. Mais tu ne m'as pas dit en même. J'aimerais te demander. Le foie, que tu as bien mis. Cette souffrance de 8 ans de ce pasteur-là, est-ce que ça vient de Dieu? Maouya. C'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Même Maouya. Ce n'est pas Dieu. Même Maouya. Ce n'est pas Dieu. Même Maouya. Le diable est là. Tu vas prier. Voici Dieu. Lève-toi-même. Maouya, Yehova. 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 Agrasiaka. Tu frappes. Que va se faire? I'm gonna go to the hospital.
I'm a
le cassé le jour. Tu as appelé. Mais ça, ta manière, le dali. Que le diable te tienne. Quand tu as ton corps jusqu'à te soulever. Que tu ne vas pas te défendre. Le bonheur. Voilà. Ne va pas casser dans la réaction. 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 Et à ta langue, voici même. Tu seras une réaction pour moi. Je me tombe là. Et je prie. Tout ciel est saint à la côté de moi. Tout ce que sera pas en lien à toi. Qui est au fond au combat. Le Dieu se peut former. Le nom de Jésus. Un mal à peu près. De ta sorte. Le peu. Mais si c'est l'Éternel qui a apporté ce terme. Yo,
Et il a déclaré que tu ne porteras plus le fardeau qui ne t'est pas dû. Tu vas voir la guérison tout à l'heure. Quel est l'esprit qui est caché dans le corps? Ton âme aussi a créé pour qu'elle sorte. Parce que parfois nos âmes sont complices. Je guéris ton âme. Je guéris de ton âme. Que ton âme aime la guérison. Que ton âme aime la liberté. Je t'envoie le feu. Maintenant, Mais pas
Ayez la tortue de trauma. Et cette tortue. De trauma. Le trauma est que vous avez mal incorporé. Yo sont parés pour nous. Yo m'a encore elle est sur le côté de la Thank you.